La création d'une œuvre au sein d'un atelier n'est qu'une étape pour un artiste. L'autre, la plus marquante, passe par l'exposition et le jugement du public. Peintre, sculpteur, Laurent Savirac expose ses œuvres au restaurant Les Tontons du 12 novembre au 12 décembre. Accrocher ses réalisations sur un mur reste toujours un moment très particulier pour un artiste. C'est un aboutissement en fait. On montre au public assez large, des gens qu'on ne connaît pas forcément des amis, l'objet de sa création. Et donc, c'est très stressant, mais c'est un bon stress parce que quand ça marche, c'est quelque chose de magique. Quand on voit dans les yeux des gens la petite étincelle devant certaines toiles, c'est quelque chose qui fait oublier en fait tout le stress passé, toute la difficulté, le travail, la remise en question sur les peintures, sur donc c'est un instant magique, donc c'est un instant qui est très important, qui est même primordial. Il y a beaucoup de communication, il y a en plus du travail de création sur les toiles ou sur les sculptures quand c'est un sculpteur. Une mise en lumière d'une collection nécessite une dose de courage, car susciter de la part d'un public des émotions, c'est obligatoirement se mettre en danger. C'est vraiment primordial au niveau au niveau créativité, d'abord de ne pas toujours faire la même chose, premièrement, et d'écouter ce que les autres ont à dire, parce que moi, quand je me balade dans des expos ou dans des musées, je me nourris de tout ce que je vois et de ce que j'entends. Et donc, dans une critique, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, au contraire. Bien souvent, la plupart du temps, ce sont des critiques qui sont très constructives, parce que les gens donnent leur avis, et c'est normal, hein, il faut. C'est la liberté d'expression, c'est, pour moi, à mes yeux, c'est vraiment quelque chose de primordial. Le besoin de créer est permanent dans l'esprit de Laurent Savirac. Sans avoir le sentiment que son inspiration s'étiole sur ses représentations du bassin d'Arcachon, Laurent pense ouvrir une période nouvelle dans sa création. Un vernissage, c'est entre guillemets le début et la fin de quelque chose. C'est-à-dire qu'on finit une série, un travail qu'on présente, et après il faut passer à autre chose. On ne va pas refaire la même chose quelques semaines ou quelques mois après sur un autre vernissage. Bon, là, la peinture sur le thème du bassin, j'ai encore plein de choses à faire, mais je voudrais un peu faire autre chose. Donc oui, je vais travailler sur d'autres sujets. J'en ai au moins deux qui me tiennent à cœur, qui sont l'eau et le feu. Donc je vais commencer par l'eau. Ça, j'en aurai un peu en réserve pour éteindre le feu qui arrivera après. Là, je vais sortir une série de toiles sur le thème de l'eau, participer à un concours international aussi sur ce thème-là. Donc oui, effectivement, je vais changer un petit peu.